Let's play ball. You hit me, I wouldn't. Just Lord, take my hand, leave me. He took the lives of two young men. Our society cannot condone men who take the law into their own hands, no matter what the circumstance. 10 years ago, that nigger would be hanging by the end of a rope with his balls in his mouth. You tell me what's wrong with this country. America is a war, and you on the other side. You can win this case, and justice will prevail. But lose, and justice will also prevail. Now that's a strange case. Take my hand, leave me all, let me stand. Le droit de tuer, donc, hein, un matériau explosif ultra sensible. Le pitch, mon Guillaume, de quoi parle ce film? Alors, le droit de tuer. Alors, ce qui est marrant, c'est que le droit de tuer, c'est que de toutes les adaptations de John Grisham, qui était la poule aux œufs d'or, en fait, des studios américains des années 90, Schumacher, en fait, s'est coltiné le seul bouquin de Grisham qui était absolument inadaptable, en fait, pour le grand public. C'est l'histoire d'une fillette noire au Mississippi qui se fait violer, en fait, sur le chemin des courses par deux rednecks absolument dégueulasses. Son père, qui est joué par Sam Jackson, un prolo, sait très bien que dans ce système-là, ces deux-là, parce qu'ils sont blancs, ont toutes les chances d'être acquittés, en dépit du fait que tous les accusent. Il décide de se faire justice lui-même au M16, dans le palais de justice, sur les deux mecs. Et là, il va demander l'aide à un avocat joué par Matthew McConaughey de prendre sa défense et d'essayer de faire rendre un verdict impossible au public, au juré. Et c'est ce qui est passionnant, en fait, dans Le droit de tuer, c'est que d'un côté, comme tu le dis, c'est un film qui joue avec les sujets les plus touchy du monde. Je veux dire, quand t'es un réalisateur Saint-Esprit, tu t'en approches pas, en fait. Tu t'approches même pas de l'un d'eux. Lui, il te fait les trois à la fois. Donc, déjà, respect pour la part de Bullock qu'il faut pour approcher ça. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, d'un côté, il est coupable, Sam Jackson, hein. C'est-à-dire qu'on le voit se faire justice lui-même, on le voit rafaler les mecs, en fait, dans le palais de justice. Mais d'un autre côté, ce que Schumacher réussit à faire, ce qui, à mon avis, était le défi du film et le plus délicat, c'est qu'on sait pourquoi il le fait. C'est-à-dire que le mec réussit, au début du film, à faire un truc impossible. Comment tu fais pour montrer le viol d'une enfant? Elle est touchy, hein. Elle est dure, cette scène. En même temps, elle en montre pas trop, mais elle montre juste ce qu'il faut, quoi, pour que tu comprennes. Et en fait, tu vois jamais le visage de la gamine. Donc ça, c'est, tu sais qu'il veut vraiment préserver ça. Et je pense même que la scène n'a pas été tournée avec elle, quoi. Tu vois, ils sont démerdés au montage avec des inserts. Mais par contre, il fait tout pour jouer la carte de la subjectivité, en fait. Tu sais, pour que tu ressentes, en fait, vraiment cinématographiquement, évidemment, hein, par le médium interposé. Ouais. Voilà. Ce truc-là, en fait. En plus, on le disait, Schumacher, il te filme les deux rednecks, là. Pareil, encore une fois, c'est presque c'est vraiment des personnages de film. Ils sont dégueulasses, tu vois ce que je veux dire, avec Marcel Crade et tout. C'est le mec qui pulvise, tu vois. Et en fait, il te filme ça de cette façon-là pour qu'à la fin, quand viendra le moment de la plaidoirie de Matthew McConaughey, quand il te dira en mots au juré blanc ce que la fillette a vécu pour qu'il puisse compatir, faire preuve d'empathie au-delà des barrières raciales pour le personnage de Samuel Jackson, tu te remémores, toi, ce que tu as vu en image au début du film, tu vois. Et là, c'est un film qui met à mal tes conceptions morales du truc, tu vois. Peine de mort, pas peine de mort. Est-ce que tu peux vraiment en vouloir au type d'avoir fait ça, sachant que dans le système dans lequel il vit, les mecs auraient très bien pu être acquittés, tu vois. C'est un film qui te met je trouve qu'il a le mérite de mettre à mal tes notions, tes idées préfixées sur ce genre de sujet, en fait, tu sais. Et puis c'est un vrai sujet, hein, c'est-à-dire se faire justice soi-même.
D'ailleurs, le titre français, c'est le droit de tuer, point d'interrogation. Alors que le titre en VO, c'est A Time to Kill, point. Tu vois la nuance américaine et française. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, c'est l'autodéfense, quoi. Le système judiciaire. C'est terrible, d'autant plus que le personnage de Samuel Jackson, voilà, on touche à sa fille, quoi. C'est, tu vois, ça m'a évoqué le film cette citoyenne allemande dont la fille s'est faite violée, assassinée sauvagement. C'était en Allemagne dans les années 80, je crois, et qui a abattu l'homme en plein procès. Ouais. En plein procès. Elle a tiré sur l'assassin de sa fille. Alors, elle a été arrêtée, elle a fait un peu de tôle, mais elle est vite sortie. Ça m'a un peu évoqué ça, voilà. Donc, c'est, là, pour le coup, c'est une histoire vraie. C'est, voilà, la question de l'autodéfense et de l'autojustice, quoi. C'est un vrai sujet, surtout aux États-Unis, quoi. Après, tu vois, je pense que la nuance qu'en fait, qui est posée pour le film, c'est de dire que ces mecs-là auraient très bien pu être acquittés, tu vois, parce qu'ils étaient blancs, parce qu'ils auraient été jugés par des blancs. C'est vrai. Et tu vois, c'est l'esprit juridique qui structure John Grisham, en fait, finalement. John Grisham, c'est quand même un mec qui a passé sa carrière, à travers son œuvre, à pointer les dysfonctionnements du système américain, qui n'est absolument pas le meilleur du monde, comme il se plaise à le répéter, tu vois. Mais il le fait souvent pour un grand public qui n'est pas vraiment concerné par ces dysfonctionnements, tu vois. Tu prends le public moyen d'un John Grisham, en général, c'est souvent classe moyenne, bien établie et compagnie, tu vois. Sauf que là, en fait, avec le droit de tuer, et Schumacher, en fait, va vraiment plonger dans cette démarche, il va faire en sorte de te faire adopter le point de vue de l'autre, en fait, de ceux qui en sont victimes, et de te mettre le nez vraiment dans ce bourbier-là, quoi, tu vois. Notamment à travers la manière dont filme le viol de la fillette, et notamment aussi, je pense, à la manière dont il renverse le rapport de force entre le personnage de McConaughey et celui de Sam Jackson. Parce que Sam Jackson, c'est, il a son personnage, tu l'aurais filmé par n'importe qui d'autre, ça aurait été le comble de la condescendance. C'est le Renoir, Prolo, Marcel, avec une coupe de cheveux pas possible et tout. Ouais. Tu vois, tu dis, c'est un gibier de potence, mais en fait, c'est surtout lui, celui qui a le mieux compris comment le système fonctionne. La scène avant le procès final, elle est belle. Hein. Elle lui dit, c'est lui qui donne à Matthew McConaughey la clé de voûte, qui lui donne l'axe qu'il faut adopter pour gagner ce procès. Il leur dit, je vous ai choisi parce que vous êtes comme eux. Exactement. Alors que Matthew McConaughey, c'est le genre de mec libéral de bon teint qui est persuadé d'être un peu moins blanc que les autres parce qu'il a des amis noirs et compagnie. Il est libéral, ouais. Etc. Et voilà. Samuel Jackson lui dit, voilà, les arguments qui vont faire mouche auprès des jurés, c'est ceux qui vont... argumente, plaide comme si on parlait d'une fille blanche. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Ça rejoint un peu l'affaire Rodney King. Hein. Complètement. On est un peu dans le... Voilà, il creuse ce sillon-là, Joel Schumacher. On sent que c'est des questions qui l'intéressent, quoi. Qui le passionnent, hein. L'état social, racial, les tensions raciales de son pays, quoi. C'est ça. Puis c'est sûr que la peine de mort n'est pas vraiment le sujet parce que, enfin, on est dans le sud, donc là-bas, ils sont tous courts. C'est l'eau courante, quoi. Voilà, c'est pas bien, on s'en fout. Ils sont tous courts. Par contre, c'est vraiment la question raciale qui, en fait, rend son application injuste. Je suis pas en train de dire que la peine de mort est quelque chose de juste ou n'importe quoi, mais dans la perspective du film, dans le paradigme dans lequel il choisit de s'insérer, c'est la vraie question, en fait. Tu vois. Absolument. Et alors, heureusement, il y a la magnifique Sandra Bullock qui apporte un peu de soleil, un peu de légèreté à tout cela. Hein. Elle joue une jeune avocate en formation qui vient aider Matthew McConaughey qui a repris le cabinet de son père et qui est à moitié ruiné. Il a besoin de cette affaire pour se refaire financièrement. Donc, il y a aussi ce côté-là. Pourquoi il reprend cette affaire? C'est pour faire du blé ou par conviction, tu vois. Cette affaire a des répercussions sur sa vie, hein, parce qu'il se fait un peu boulide, il se fait menacer, sa vie de couple est mise à mal avec sa femme Ashley Judd. J'aime bien comme le film ménage aussi tout ce qui se passe autour du procès, et surtout autour des personnes qui sont engagées dans le procès. On n'est pas que sur la famille de Samuel Jackson. Non. Il dessine la déflagration que ce procès a sur les vies, sur plusieurs vies, en fait.
Et ce qui est marrant, ouais, exactement. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, tu vois, il t'en fait pas un Gregory Peck dans le silence, dans Du silence et des ombres. Tu sais, C'est c'était ce vrai. film de Robert Mulligan où Absolument. Gregory Peck défendait, je crois, un adolescent noir accusé de quelque chose. Et tu vois que, en fait, cette charge-là, c'était un sacerdoce pour lui. Mais vraiment, quoi, tu vois, il sacrifiait sa vie, en fait, il sacrifiait tout à sa cause. Tu vois, il y avait presque un côté martyr. Gregory Peck, c'était vraiment martyr dans Du silence et des ombres. Matthew McConaughey, c'est pas du tout ça. C'est quand même, tu sais, il a quand même du sang sur les mains parce qu'il est au courant de ce que va faire Sam Jackson, qui lui annonce à demi-mot son projet avant de le faire. Et il y a ce plan que je trouve vraiment marquant où tu as Matthew McConaughey qui rentre chez lui, la chemise maculée de sang, tu sais, comme pour Spilate qui ne peut pas se laver les mains, en fait, de ce qui s'est passé. Et surtout, c'est un mec qui est frivole. Il est débonnaire, tu vois, le mec, il aime bien. C'est un piccolo, tu sais. Il boit une petite bouteille. On te le montre pas, mais tu sens que le mec, il picole du bourbon à chaque fois que la caméra a le dos tourné, tu sais. Il arrive un peu bourré, il s'amuse un peu de la situation. Il est doué, mais du coup, il sort pas vraiment les doigts parce qu'il se repose sur ça. Et j'ai bien aimé ce personnage, en fait, de mec qui est passionné, qui est là pour les bonnes raisons, mais qui est très immature, en fait. Extrêmement immature. C'est ça, il n'est pas dans la démarche sacerdotale, quoi. C'est l'affaire de ma vie, machin. Non, c'est voilà. Il est un peu vert hein, pour ce genre d'affaires. Et cette affaire va le faire mûrir d'une C'est certaine ça. manière, en fait. Hein. On retrouve Kiefer Sutherland, encore une fois, acteur fétiche de Joel Schumacher, et avec son papa. Alors j'aime beaucoup le personnage du papa, enfin de Kiefer Sutherland, hein, qui joue un ancien as du barreau, qui va être le mentor. Il va être le mentor du personnage de Matthew McConaughey, puisqu'il joue un peu l'idole. Il joue un peu l'idole de Matthew McConaughey. J'aime beaucoup leur relation, Moi aussi, ouais. tous les deux, hein, avec les conseils qu'il lui donne, etc. Il y a des beaux personnages, moi, je trouve, dans le droit de tuer. Et en couleur, tu vois, Oui. on revient à ce qu'on disait sur Schumacher et Chucky, parce que sa caméra leur donne du relief visuellement parlant, tu sais. Ouais, tout à fait. Tu sais, ils ont vraiment une incarnation visuelle, une incarnation iconique qui marche immédiatement. Kiefer Sutherland, il est super dans les rôles d'ordure. Ah, Il y a j'adore cet acteur. une tête pour ça. Et quand tu le vois arriver avec sa coupe de skinhead là, tu sais, au Ah début du film, sa chemise à trous pour laisser passer les bras, le mec, il t'incarne immédiatement quelque chose. Et je pense qu'aussi, c'est ce qu'on a reproché à Schumacher, c'est de faire de l'incarnation, tu sais, aussi visuellement forte, comme si c'était presque déjà une trahison vis-à-vis de la sensibilité très touchy du sujet, tu sais. Comme quoi, non, il aurait dû mettre. Non, fais plus de réalisme, fais plus de terre à terre, etc. et tout, parce que là, t'as pas le droit de faire trop de cinéma sur ce genre de truc. Bah, lui dit, bah non, faire du cinéma, c'est peut-être le meilleur moyen, justement, de vous poser des questions et de rendre justice au sujet, quoi. Ça sert à ça, justement. Il faut le faire, justement. Il faut le faire, quoi. Pour l'anecdote, il y a Octavia Spencer à la deux scènes. Elle joue une infirmière. Et Octavia Spencer a été assistante sur le film. D'accord. Hein, c'est vraiment, elle était tout début de sa carrière. Donc, on l'a dit, hein, un sujet dur, difficile. Je trouve que ils s'en tirent vraiment bien. Ils s'en tirent très, très bien, même. Hein. J'aime bien cette atmosphère du sud, tu sais, où t'as les ténors du barreau, tu Oui, sais, il y a Kevin Spacey aussi, on l'a pas il y a dit. Kevin Spacey en Il est ordure, bon, lui, non, en ordure, lui. ordure manipulatrice, enfin, je veux dire, Ouais. c'est même plus un rôle, c'est une seconde nature, là, pour lui. Mais C'est lui qui a le... construit l'école, que tu as. Ça, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est lui, il a posé les murs, quoi. Mais Ouais. le... Tu sais, c'est où les mecs, qui picolent à 3 h de l'après-midi, tu sais, t'as cet art de vivre, en fait, du sud que je trouve qui hyper transcrit, dans lequel j'aime bien voir l'écran. Et moi, je pense aussi à un truc, tu sais, moi, le film me fait un peu penser à Strange Days de Catherine Bigelow, dans le sens où, tu sais, dans Bigelow, c'est-à-dire que, tu sais, il y avait, encore une fois, pour rebondir sur la question de qu'est-ce que tu peux montrer et ne pas montrer au cinéma, quoi, tu vois, ça, c'est quand même une question très délicate. Et Bigelow, dans Strange Days, elle avait des scènes qui étaient hyper hardcore et qui étaient vécues en plus en subjectivité totale de par le point de vue du film. Mais tu avais là, et Schumacher fait un peu la même chose avec sa scène du début avec le viol de la fillette. Et tu as l'impression qu'en fait, il te dit non, mais ça, c'est une violence nécessaire. Je dois, à une époque qui est celle des années 90, où la violence est devenue une banalité à heure de grande audience sur CNN et sur l'infotainment. Tu ne peux plus faire comme si le hors-champ pouvait suffire à réveiller le spectateur.
si tu veux vraiment l'interpeller, faut aller lui mettre un coup de boule, faut aller lui mettre un choc. Et c'est l'expérience, le ressenti, le vécu qui te permet de te mettre à la place des autres et de rétablir la violence comme ce truc qui doit t'interpeller, pas ce truc qui doit juste te distraire, en fait. Le droit de tuer, c'est un film qui est extrêmement séduisant, je trouve, sur la forme, parce que tu l'as dit, il est beau. Il est beau, c'est super bien tourné, le scope de Schumacher, la lumière et tout, mais en même temps, il s'interdit de n'être que séduction, en fait. C'est vrai. Il n'hésite pas à être dérangeant, en fait, sur certains trucs. Et ça, je pense que c'est l'une des grandes réussites du film. Samuel Jackson sortait de, on l'a vu dans Pulp Fiction précédemment, je crois. Ouais. C'est un film qui l'a mis vraiment, qui a contribué à renforcer sa stature d'acteur. Alors, il est un peu mitigé sur ce film, Samuel Jackson, parce qu'on lui a coupé une grande scène. Mmh. Il avait une grande scène et qui a été coupée, et il pense que cette coupe lui a fait rater la nomination aux Oscars, en fait. Bah, je peux pas vraiment lui en vouloir, parce que c'est ce dont on parlait, c'est ce rapport de force qui s'inverse entre lui et son avocat, où c'est lui qui tire les ficelles. Tu sens un peu que ils essaient de leur calibrer pour un grand public blanc, en fait, qui veut voir une adaptation de John Grisham avec les codes que ça suppose. Et du coup, je trouve que le film perd un peu de temps sur la vie de Matthew McConaughey, son attirance pour Sandra Bullock, sa femme qui se barre et tout, au détriment, en fait, de la relation avec le personnage de Sam Jackson. Je trouve que le film perd un peu de temps là-dessus. La preuve, c'est qu'à la fin, tu sais, c'est un enchaînement, t'as Ashley Judd qui revient après s'être barré. Je dis, elle sort d'où, quoi, tu vois. Ouais, c'est hyper rushé, quoi. Ouais. C'est hyper rushé, c'est pas cohérent. Mmh. Et c'est dommage, en fait, que peut-être de se concentrer un peu trop sur celui qui n'est pas forcé, qui est le protagoniste principal de l'affaire, parce que c'est le narratif du film de Grisham grand public qui veut ça, mais c'est pas forcément organique par rapport au film, en fait. Le film est un succès, encore un, en plus de 150 millions de pesos au box-office. John Grisham, les adaptations de John Grisham lui vont bien à Joel Schumacher. Avant, Le Droit de Tuer, on ne l'a pas dit, il a fait Batman Forever. Batman Forever qui a cartonné. Hein. Ouais. À l'époque, c'était le meilleur démarrage de tous les temps. Hein, plus de 72 millions de dollars le premier week-end d'exploitation. Après, Le Droit de Tuer, il enchaîne sur Batman et Robin. Pour notre plus grand plaisir. Alors les amis, on a traité Batman et Robin dans la boutique. Allez-y, c'est du bon. Et alors, effectivement, Batman et Robin est un échec critique. Il se fait descendre en flammes, Joel Schumacher, à tel point qu'il s'en excuse, quoi. Il s'est excusé, Joel Schumacher, ainsi que George Clooney. Ils se sont excusés d'avoir tué Batman. Quoi. C'est fou hein, d'en arriver là, quand même. Mais ça l'a flingué, parce que franchement, sa carrière a été réduite à ces deux films-là, aux deux Batman, hein. Pendant longtemps. Ouais, et moi, très honnêtement, quand j'étais gamin, je me souviens, je jouais à Schumacher, c'était Batman 1 et 2. Et tout le reste de sa filmo ne pouvait exister en mauvais que par rapport à ça. Quoi. On lui interdisait d'avoir... C'est injuste. Et on lui interdisait d'avoir fait autre chose et de pouvoir montrer autre chose, en fait. Absolument, alors que sa carrière avait démarré déjà 15 ans plus tôt. Quoi. Il avait fait des choses extrêmement différentes. Et tu disais très justement, ses talents de designer et de couturier, de costumier, ça convenait parfaitement à un projet comme Batman. Tu vois. Ouais, mais c'est vrai. Il est né, je le disais, donc la même année que Batman. Et alors, l'échec cuisant de Batman et Robin, hein, qui était sorti en 97, période aussi où la Warner avait des gros problèmes aussi, de management, eh bien, il déprime un peu Joel Schumacher, il s'expatrie, il se refait une santé et il en a marre des grosses machines. Il avait dit sur Batman et Robin qu'il avait l'impression d'être transformé en marchand de jouets. Ouais. Et je pense que pour un type comme lui, quand il fait Le Droit de Tuer ou 8 mm, c'est presque des réactions en fait, à ce côté-là dans Batman et Robin, où il est obligé de faire plaisir à tout le monde et surtout aux gamins. Et dans Le Droit de Tuer ou 8 mm, il se dit, putain, allez, je vais leur mettre le nez dans ce qu'ils veulent pas voir. Quoi, tu vois. Absolument. T'as vu, hein, comme ces films s'articulent de manière assez... Voilà, comme tu dis très justement, hein, je pense que c'est assez juste. Hein, Le Droit de Tuer et Time to Kill, Le Droit de Tuer 8 mm sont des réactions au Batman qu'il a fait. Hein. Ce qui nous amène à notre dernier film de notre sélection, 8 mm, en 1999. Avec Nicolas Cage, un scénario d'Andrew Kevin Walker,
Là aussi, un film très difficile. Nicolas Cage interprète un détective privé qui réussit bien, qui est très professionnel et qui est très réputé auprès d'une clientèle haut de gamme et de prestigieuse. Il est notamment spécialisé dans les affaires d'adultère de personnages politiques influents. Tout va bien pour lui. Il vit le parfait amour avec sa femme et sa petite fille. Un jour, une dame l'appelle, une riche veuve milliardaire, le convoque. Et cette veuve, en fait, en mettant de l'ordre dans les affaires de son mari, tombe dans un coffre-fort sur une bobine 8 mm. Et cette bobine 8 mm, lorsqu'elle la projette, eh bien, elle y voit des images assez terribles. Une jeune fille, encore une autre jeune fille, se faire sauvagement assassiner par un homme encagoulé. Elle est sous le choc et pour sa conscience, pour la paix de son âme, elle veut en avoir le cœur net. Ces images sont-elles une reconstitution, une mise en scène ? Sordide, certes, mais une mise en scène, donc ce serait faux. Ou bien, pire, ces images sont-elles vraies ? Ce qui ferait de cette bobine un snuff movie. Alors, les amis, pour info, pour aller plus loin, j'ai parlé de 8 mm chez notre ami Jean Weber, qui m'a fait la gentillesse de m'inviter sur son show Abracadapod. On vous recommande chaudement le show de Jean Weber, Abracadapod, avec plein de formats, Cinéflop, Cinébuddies, Kinopod, et il a sorti récemment un podcast, le seul en France, consacré entièrement à la carrière de Nicolas Cage, le Podcage, où il fait œuvre de salut public puisqu'il rend hommage au travail de Nicolas Cage. Et j'en ai parlé avec Jean Weber, donc on a parlé de 8 mm. Donc, pour aller plus loin en complément de notre show, allez-y de notre part, Abracadapod, c'est dans toutes les bonnes crèmeries de podcast, et c'est aussi sur YouTube. Big up, Jean. Big up, shout out, comme tu dis si bien. Alors, 8 mm, c'est un sujet difficile, encore un. Les snuff movies, c'est sordide. C'est un film donc, qui est sorti en 99. Nicolas Cage est au fait de sa gloire. Joel Schumacher se refait une santé artistique. Il y a un côté Alice au Pays des Merveilles, je vais t'emmener au fond du terrier. Quoi. C'est un film... Tu l'as découvert à quelle occasion, toi, Guillaume ? Oh, je l'ai découvert gamin, à un âge où tu recherches des films qui ne sont pas faits pour toi, tu vois. Ah, d'accord. Ah oui, c'est fascinant. C'est vrai que ça fait, il y a un côté attractif. Hein. Ah oui, c'est un côté interdit, quoi. Ah oui, c'est ce genre de film où tu sais que tu vas franchir la ligne rouge en le regardant. Donc forcément, tout ce que tu veux faire quand t'es gamin, c'est franchir cette putain de ligne rouge pour voir ce dont il s'agit, quoi. Et oui, mais c'est pareil, c'est un film que j'ai mis du temps à apprécier parce que, encore une fois, le côté Joel Schumacher, Batman et Robin, etc. et tout, honnêtement, j'étais presque conditionné, en fait, par cette obligation de mauvaise perception du travail de Schumacher. Mmh. Et c'est en leur voyant adulte que je me suis rendu compte que non seulement le film réussissait ce que fait le droit de tuer, ce que fait Chute libre, c'est être à la fois extrêmement frontal dans son approche d'un sujet difficile pour ne surtout pas épargner le spectateur qui est venu voir le film, parce que, comme je viens de le dire, quelque part, de la même manière qu'à Snuff Movie, tu veux tracer l'œil pour goûter un interdit, voir un film qui traite à Snuff Movie, c'est un peu la même démarche finalement. C'est une puissance voyeuriste que l'on partage. C'est vrai. Et qui en même temps a réussi à ne jamais être racoleur, ni putassier, alors que tout lui tend les bras et qui se cache pas derrière son petit doigt, en fait. Tu vois, Nicolas Cage, je trouve que c'est une de ses plus belles performances. Je trouve que c'est une de ses plus belles prestations, ce film. Ouais, je pense aussi. J'adore comme ce voyage. Hein, c'est un voyage au fond de l'enfer. Hein, c'est l'enfer de Dante, hein, d'une certaine manière. Tu vois, il plonge en enfer et il n'en revient pas indemne. Quoi, hein, au fur et à mesure qu'il s'enfonce hein, dans les ténèbres, hein, si je puis dire, il devient altéré. Quoi, il perd pied. Encore un autre personnage qui perd pied. Ouais, complètement comme Tiffany. C'est exactement ça. Et en plus, je trouve que c'est un film qui protège beaucoup son spectateur. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, c'est graphique. Hein. Effectivement, le film est graphique, mais il est pas tant que ça. Hein. Ça va encore. Ça mais, va. Mais quand tu prends bien le film, ce qui te montre le milieu dans lequel il plonge,
il aurait pu être beaucoup plus gratiné que ça. Et même toutes les déambulations de Cage dans les milieux SM, porno, hardcore et compagnie, alors tu sens l'ambiance, c'est moite, ça sent le stupre, le vice et compagnie. Mais dans l'absolu, c'est pas, le mec ne s'arrête jamais pour faire un plan sur un truc SM absolument dégueulasse. Et non, il passe à côté de ça. C'est juste. Mais tu sens évoqué quand... rapidement encore. Hein. Et c'est là que tu vois que le personnage de Cage, ça, j'ai compris, c'est un martyr en fait, parce que c'est lui qui le regarde pour toi. En fait, tu vois la tronche de Cage, tu vois tout ce qu'il voit pour toi en fait. C'est le mec qui regarde le vice et le mal dans les yeux pour ne pas que toi tu l'affrontes avec ton propre regard. C'est un filtre en fait. Nicolas Cage est le filtre entre le spectateur et le monde en fait qu'il va découvrir à l'écran et les films dégueulasses qu'il va regarder en fait. Et t'as l'impression que le visage de Cage, et c'est là que je trouve génial, et il fallait vraiment un acteur expressionniste comme lui pour pouvoir transmettre ça, c'est que c'est son regard en fait qui te permet de filtrer tout ce qui traverse, quoi, tu vois. Le visage de Cage, c'est celui qui fait de temps. Et tu comprends tout hein, avec son regard, hein, qui est tellement expressif. Alors, il fait... sur le show avec Jean parlait de ça, il forme un peu un duo Sherlock Holmes et Watson avec River Phoenix Joaquin Phoenix pardon, ça je trouvais ça intéressant. Effectivement, il rencontre un tenancier de sex shop en fait hein, qui est joué par Joaquin Phoenix hein, qui est génial, qui était tout jeune hein, à l'époque hein, c'était vraiment, il était jeune adulte hein, c'était avant Gladiator et qui est un musicien frustré, Joaquin Phoenix dans le film hein, ça. Il aspire à autre chose, hein. Il est dans ce sex shop un peu par défaut, tu vois. Et il a beaucoup d'humour, j'adore comment... au bout d'un moment, il dit à un client, « Hey, oh, ici, c'est comme à la station-service, il faut payer avant de pomper. » Et j'adore, il met un peu de... Il ajoute une touche d'humour, de légèreté, Joaquin Phoenix. J'aime bien ce duo-là. Je trouve il faut que ce soit super bien. La sortie. J'aime bien la relation entre deux. Ouais. Où Nicolas Cage le mentor un peu, le protège, tu vois. C'est assez fascinant. Alors, tu parles du regard de Nicolas Cage. Moi, j'ai beaucoup pensé à The Offense en regardant le film. Ouais, c'est vrai. Oui, le Sidney Lumet avec Sean Connery qui. Il lui dit, d'ailleurs, Phoenix lui dit, hein, lui dit, il y a des choses que tu vois, mais que tu ne peux plus dévoir. Ouais. Une fois que tu les as vues, elles sont gravées à jamais dans ta tête. Et c'est toute la problématique du personnage de Sean Connery. Dans The Offense, hein. il y avait un peu ce côté-là aussi qui m'avait marqué. Puis le film rebrandit la trame de Hardcore de Paul Schrader avec George C. Scott qui allait chercher sa fille dans le milieu de Los Angeles. Et puis, t'as aussi cette idée, c'est que le personnage de Cage, c'est un protestant, tu vois. C'est un protestant bontain, mais c'est BG, un wasp, quoi, tu vois. Et du coup, tout ça, il le voit avec son œil de protestant. Donc forcément, tu peux dire que c'est une vision un peu réac du porno, du porno, etc. Tu te dis, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est la morale protestante de Cage, tu vois, qui absorbe tout ce qu'il voit. C'est quelque chose qui est quand même plutôt intéressant. Tu sais, la première scène, quand il regarde le snuff pour la première fois. Ouais. À un moment donné, donc, écoute, t'as un champ contre champ entre Cage et l'écran. Et au moment où ça tourne vraiment au vinaigre dans le film, t'as la caméra, je sais plus comment il fait ça, si c'est un point de montage ou si c'est un mouvement de caméra proprement parler ou les deux, mais la caméra passe derrière l'écran. De telle manière à ce que tu ne vois plus ce qui se passe au moment où ça s'est passé, tu ne vois que la réaction de Cage qui se flippant, ça. C'est encore plus marquant, en fait, de voir la réaction. Et là, le mec, il vient te poser tout le principe de mise en scène de son film. C'est-à-dire que dorénavant, Cage, c'est de la même manière que dans le film, il va jouer le martyr, l'élu, l'ange damné, qui va devoir rendre justice à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se rendre justice, donc cette gamine qui a disparu, va devoir plonger dedans. Et ben, il va absorber tout ce qu'il voit pour pas que toi, tu, spectateur, tu te le prennes dans la tronche, tu vois. Donc même là, t'as quand même une démarche de mise en scène qui est hyper réfléchie, tu sais, finalement. Qui est pudique, mais en même temps, elle montre ce qu'il faut. Moi, j'aime beaucoup la relation qu'il a avec la mère de la jeune fille aussi. Ouais. Hein, son enquête le mène à faire des rencontres, et notamment, il va rencontrer la mère de la jeune fille. J'aime beaucoup les échanges qu'ils ont. On a James Gandolfini aussi. Alors, ce qui est assez troublant, c'est que James Gandolfini, il dégage une bonhomie. Oui.
Il y a quelque chose de très attachant, de très. T'as envie de le prendre dans tes bras, tu vois, James Gandolfini, tu vois, il est. Et là, il joue une ordure, quoi. Il joue vraiment une ordure. Ça, c'est assez troublant de le voir jouer une ordure. Le personnage de James Gandolfini m'a beaucoup troublé dans le film, en fait. Ouais, c'est ce que disait Hannah Arendt sur la banalité du mal, en fait. C'est que Oui. finalement, c'est ce que te dit le personnage de Machine à la fin, c'est que je ressemble à tout le monde, j'ai pas de traumatisme particulier, c'est juste que je suis comme ça. Et tu retrouves ce truc-là, en fait, encore une fois, chez Schumacher, c'est que il te prend des personnages identifiables à peu près normaux, et en même temps, il t'en fait vraiment des figures, des icônes de cinéma. Le personnage de Peter Stomar, on dirait Satan à un moment du film. C'est Angel Hart. Moi, C'est j'ai ça. pensé à Angel Hart, en Mais fait, De complètement. Niro, quoi. Mais d'ailleurs, Stormart, il a fait que jouer Ah, des. j'adore Ce mec n'a fait que cet jouer des acteur. variations de Satan, en C'est fait, vrai, dans sa ça. carrière. C'est vrai. Même dans Et. Constantine, hein. En Ouais, c'est ça. Constantine. Hein. Ouais. Et pas. Little Et. Stallman, en version originale. Et tu vois, c'est ça. Et tu vois, c'est pareil, encore une fois, sous l'argument d'une réalisation qui veut pas trop. Qui sur un sujet ou qui t'imposerait de ne pas trop en faire pour rester à bonne distance de ce que. Et à bonne hauteur de ce que tu filmes, bah, Ouais. Schumacher, il te fait quand même un film très stylisé, très expressionniste, alors que finalement, il évite de trop en montrer, tu vois. Et c'est quand même un équilibre qui est pas facile à atteindre, hein, tu vois. Et même au début du film, quand il pose le quotidien de Cage avec sa femme, tu sais, c'est tout en contraste, tout en clair-obscur, tu sais, où tu sens que le bien et le mal sont des frontières soigneusement délimitées dans son petit monde. Et plus tu vas dans le film, plus les ténèbres vont prendre le dessus, quoi. Et j'aime beaucoup sa femme, Catherine Keener. Super C'est actrice. magnifique, ça, cette actrice, elle est extraordinaire. Elle a un rôle un peu ingrat, quand même, faut dire. Elle n'a pas Ouais. beau grand-chose à jouer. Non, C'est la c'est. femme qui reste à la maison. Elle a beaucoup de scènes au téléphone. Ouais, Donc, puis tu peux toujours. supposer qu'elle les a tournées seule, à moins que Nicolas Cage ait accepté de lui donner la réplique derrière la caméra. Mais malgré tout, elle fait passer énormément de choses. Et tu sens qu'elle donne une profondeur, une gravité à son rôle de femme. Quelque part, le fait qu'elle communique pas vraiment avec Cage, parce que tu sens que les scènes, comme tu le dis, ont été tournées à part, c'est cohérent avec le film, puisque lui perd le contact avec C'est vrai. sa famille. Donc, C'est vrai. tu sais que Schumacher. Quand la Warner, quand il devait revenir sur Batman malgré tout, après Batman et Robin, il avait dit à Warner, oui, moi je veux adapter The Dark Knight Returns de Frank Miller, donc l'histoire sombre et compagnie. Je me demande si ce film-là, il l'a pas fait avec 8 mm. Parce que tu prends, tu sais, la façon dont est filmé Cage, il devient de plus en plus vigilante au sens propre du terme, au fur et à mesure du film, et la manière dont il le filme parfois dans l'obscurité, tu as l'impression qu'il filme le Chevalier Noir, qu'il filme C'est Batman, quoi. vrai. Moi, je me Mais suis. T'as ouais. la scène, c'est quand il sort en fait de la maison de la mère de la fille, il descend les escaliers en descendant les escaliers, il se rencontre de plus en plus dans le noir et t'as l'impression que sa silhouette, elle s'étale en fait avec Ouais. l'obscurité. Ouais, T'as c'est vraiment vrai. l'impression de voir le chevalier noir qui sort sa cape, quoi. Moi, je me demande si ce film-là, c'est pas le Batman qui l'a jamais tourné en fait. Batman Triumphant, qui devait faire avec Nicolas Cage dans le rôle de l'épouvantail. D'accord, ok. Et il était prévu qu'il fasse l'épouvantail. Ils avaient demandé à Jack Nicholson de revenir, faire le rôle du Joker. Ça devait être un gros film, hein, Batman Triumphant. Et bon, malheureusement, il a été annulé. Mais c'est ouais, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Ouais, c'est peut-être c'est son Batman, finalement, il l'a fait. Bah, la fin, Façon Dark Knight Rises, en fait. Hein. bah, la fin, tu peux presque voir le combat de Ouais. Batman contre Bane, en fait. Avec Ouais, alors le. cette fin avec Machine. Alors, Ouais. Machine, qui est l'individu cagoulé. Tueur, ouais. Moi, qui m'a fait penser à Bane de Batman et Robin. C'est le même look, c'est la même dégaine. Et Non. comme tu le disais, c'est un. En fait, c'est un mec normal, quoi. Il habite chez Ouais. sa maman. Et il le dit, hein, c'est Chris Bauer, hein, là, c'est l'acteur Chris Bauer qui le joue. Il lui dit, mais moi, j'ai une enfance heureuse. Je fais ça parce que j'aime ça. C'est J'aime ça. ça. C'est terrible, ça. Non mais c'est C'est ça. terrible, ça. Tu vois, c'est du. La pure incarnation du mal. Et j'adore comme la maison de sa mère est en face d'un cimetière. Mais oui, Et tout le combat, toute la bagarre dans le cimetière à la fin. c'est un théâtre gothique. En fait, le film C'est est très ça. gothique et comme tu dis, il y a côté conte de fées et je trouve que la fin, c'est vraiment un théâtre gothique avec le cimetière, cette maison qui sort d'Amityville, la Ouais. pluie qui s'abat dru sur les personnages. Cage, tout de noir vêtu, quand même vigilante, On lui. est dans un autre film, là, tout à coup. Ouais, et c'est vraiment de voir la bataille du bien contre le mal au sens biblique du terme. C'est Batman contre Bane, quoi. C'est C'est vrai, vraiment ça. ça. C'est ça, hein, c'est Batman contre Bane. Alors, Peter Stallman, on ne l'a pas dit, hein, il joue Dino Velvet, un producteur de films X, tu vois, mais qui se prend pour un génie, tu vois. Ouais. Il est incroyable, hein, il est incroyable. Et je trouve que, tu vois, la scène qu'il a, les scènes qu'il a avec Nicolas Cage, et en particulier la scène où on découvre le personnage de Dino Velvet, hein, le personnage est teasé
Hein, il est filmé en amorce, on le voit de dos, etc. Et là, tu sens que Nicolas Cage, il a rencontré un peu son égal, tu vois. Ouais. Parce que Peter Stormare, le gars, il en impose, le mec, hein, quand même. Il a un charisme aussi... incroyable. Hein. Fou. Et aussi fou que lui, en plus. Oui, il est aussi fou que lui, voire plus, en fait. Hein. J'aime beaucoup. Ouais. C'est un excellent cast, hein, Peter Stormare. C'est très, très bien vu. Acteur suédois, qui a démarré chez Bergman. Qui a fait beaucoup de théâtre chez Bergman et acteur fétiche entre autres de Michael Bay aussi. Et tu vois le grand écart. Hein. Il a fait le réalisateur, il a tourné avec le réalisateur du 7e Saut et avec le prétendu Saut du 7e art. Tu vois, donc c'est fort quand même. Hein. C'est grave. Mais en plus, lui, il y a vraiment la tronche qui, d'un clip de Michael Bay, c'est-à-dire qu'en un plan. Ouais. En un plan, il est aussi fou et expressif que tout ce que Michael Bay met pour maximiser l'image à l'instant T. C'est vrai. Ouais, il est bigger than life, en fait. Ah ouais, hein. Complètement, ouais. Incroyable, hein, Peter Stormare. Moi, j'adore ce mec. J'adore. Moi, je l'ai découvert dans Le Monde Perdu de Spielberg. Pareil, un personnage, hein, comme tu disais. Et puis, une peinture. J'aime comme le film, et voilà, il dresse un portrait sans concession du porno, en fait. Hein, le porno qui est quelque chose de... Le porno crade. Le porno tu vois, crade, hardcore. Tu vois, c'est quand même... On en parlait avec Jean. C'est aujourd'hui, les gamins, dans le cours de récré, ils ont accès aux pires images comme ça, en trois clics. Quoi, hein. Ce sont des images dangereuses, hein, comme le dit le personnage de Joaquin Phoenix. Ce que tu as vu, tu ne peux plus le dévoir. Hein. Il y a des choses qui ne peux plus effacer de ta tête. Et tu vois, et je trouve que c'est ce qui est aussi tout à l'honneur du film. Alors qu'on lui a reproché l'inverse à l'époque, de racoler, de faire ses fonds de tiroir sur le dos, c'est que le mec, il te remet ça à sa juste place aussi, tu vois. Aujourd'hui, comme tu dis, c'est devenu quelque chose qui est complètement banalisé dans l'espace public domestique de chacun. Et le mec, à l'époque, alors que c'est Joël Schumacher, que le type, voilà quoi, c'est un gros fêtard, on le sait, c'est un gros dossier de compagnie. Pourtant, il te remet les choses à sa juste place en disant, c'est une matière à la portée de tout le monde. Et la preuve, c'est que j'utilise le regard d'un personnage pour faire un filtre entre vous et tout ça, quoi, tu vois. Il sait de quoi il parle, Joel Schumacher, je pense. Beaucoup de cuir aussi dans sa filmographie, quand même, il faut le dire. Ouais, hein, tu vois, Bane, les tenues de Batman. Alors, il confesse avoir eu plus de 20 000 partenaires, Joel Schumacher. 20 000. Non. Et femmes et hommes, hein. Même si il s'est revendiqué gay, hein, ouais. Il a couché avec tout le monde, enfin, aussi bien les hommes que les femmes. Il nous parle en connaissance de cause, je disais, il nous prend par la main et il nous dit attention, c'est un peu un cautionary tale aussi, j'ai 8 mm. Il y a un peu cet aspect-là, en fait. Ouais, complètement. Et non, mais je pense que tu as raison, c'est un mec qui sait de quoi il parle, en fait. Et il a vécu, comme tu disais, il a vécu, quoi. Et il sait que c'est pas pour tout le monde. C'est pas un tétard qui a encore le lait de sa mère là à bord de la bouche, tu vois. Il est. Voilà. Il sait que c'est pas. Il sait que c'est pas pour tout le monde. Et surtout pas pour son public, pour le public qui va venir voir 8 mm et qui est aussi un peu là pour se rincer la vie, quoi, tu vois. C'est comme tu dis, t'as un avertissement dans le fond et dans la forme. Et tu sais, c'est marrant, c'est que tu vois, un film comme 8 mm, tu sais, donc il parle d'un film justement, mystère et tout. Tu sais, dans les années 70, ça aurait été le truc de De Palma, de Michelangelo Antonioni sur Blow Up, tu sais, comment tu déconstruis une image, etc., pour essayer de la comprendre, pour essayer de repérer le sujet et tout. Et tu sens que le paradigme a changé parce que tu n'es plus du tout dans ce rapport de distance à l'image, en fait, tu vois. Parce que le personnage de Cage ne peut pas avoir de distance par rapport à ce qu'il voit, il est obligé de l'abs de sable, de se laisser absorber par les ténèbres, tu sais. Et là encore, tu vois, on en revient à ce qui se faisait sur le droit de tuer, et dans une certaine manière sur Chute Libre, ce qui compte là, c'est plus la distance que tu mets entre toi et l'image pour essayer de la comprendre, c'est te laisser absorber pour ressentir l'expérience vécue, en fait, tu vois, pour faire preuve d'empathie. Ce souci de ne plus faire de ce genre de sujet une question de distance, mais au contraire une question d'absence de distance. Moi, j'ai été très sensible à la musique. Super bien. Pareil, hein, il prend un contre-pied total. Hein. Ce n'est pas une musique de thriller classique, hein, comme on aurait pu s'y attendre. Les cordes à la Ward Shore, par exemple. Non, il va chercher des chants ethniques, un peu arabes. C'est assez fascinant. Hein. Ça donne un côté un peu mystique, un côté un peu effrayant, tu vois. Ces espèces d'incantations comme ça. Ouais, c'est du genre, tu vas plonger dans un monde dangereux, mon ami. Tu sais, c'est ça, exactement. C'est vraiment ce côté-là. Je trouve le choix de la musique assez parlant, hein, c'est le cas de le dire, mais c'est assez atypique. Et ouais, ça donne un côté mystique assez effrayant. Même ça, ça te sonne de ta zone de confort, en fait. Exactement. Et effectivement, t'es mal à l'aise, t'es pas à l'aise, tu vois. C'est avec ces,
ces aigus là qui montent, ces chants là, c'est vraiment tout est fait pour te mettre mal à l'aise, mais te garder en sécurité, quoi. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il te saute, tu sais, le fameux plan de volte-face quand t'as Cage qui se réveille de la table d'opération, tu sais, et qui a son visage qui a été enlevé, ah et oui. Il applaudit. Il a une clope avec ça. Ouais. Tu sais, J'adore cette scène. Tu sais, ouais. En plus, avec cette espèce d'ombre chinoise qui est dessinée sur son visage pour pas qu'on te le montre totalement, où il apparaît vraiment que par un cerf, j'ai l'impression qu'il reprend presque ce plan-là à la fin de 8 mm quand il rentre chez lui. C'est pareil, il est complètement défiguré par l'obscurité, en fait. T'as vu ? Il est défiguré par le noir. T'as vu, hein, ouais. Et le caractère expressionniste de Nicolas Cage ressort d'autant plus quand il est dissimulé, paradoxalement. C'est vrai, ça. C'est très juste, ouais, effectivement. Il aurait dû prendre Nicolas Cage pour sa version du Fantôme de l'Opéra. Oh ouais, Gérard Butler n'était pas le meilleur. C'était encore sa période beau gosse à Gérard Butler, avant qu'il boive de la bière, tu vois. Avant qu'il picole. C'est ça. C'est Nicolas Cage qu'il aurait dû prendre, putain. Et complètement. D'ailleurs, Gérard Butler était chiant quand il faisait le Gosbo. Moi, je préfère quand il a commencé à picoler de la binouze. Là, c'est vraiment lui. À roter dans sa barbe. Là, on avait le personnage. Là, c'était lui, parce que les débuts pouponnés, là, oui, je suis un beau gosse, oui, c'est lui. Non, c'est bon, là. Maintenant, je préfère quand il montre son vrai visage. Ouais, mais là, le fantôme de l'opéra, putain, merde, c'est Nicolas Cage, quoi. Putain, c'est un gros pour Nicolas Cage, quoi. Et donc, un film qui n'a pas très bien marché, 8 mm. Hein. Il y a une suite en vidéo, tiens, j'ai vu ça. Mais en fait, le film a bien marché à l'international. D'accord. Il a largement remboursé son budget sur le marché international, mais je pense que c'était le premier film de Schumacher depuis longtemps qui ne faisait pas au moins deux fois la mise de son budget sur le seul territoire américain. Oui, d'accord. Donc, quelque part, on a dit que c'était un échec parce que tu avais Nicolas Cage à l'affiche, parce que tu avais encore Schumacher qui était encore un an derrière. Mm. Alors que la réalité des chiffres ne dit pas exactement ça. Oui, parce qu'il y a eu une suite DTV. Oui. Il faut le savoir. Donc, je pense que c'est un film qui a dû marcher. Alors, je ne m'y suis pas risqué. Hein. C'est une suite DTV, à mon avis. C'est dégueulasse, quoi, à mon avis. Mais il y a quand même une suite. Hein. Donc, c'est qu'il y a eu quand même tentative de capitaliser sur. Je crois, ouais. Sur un succès, quoi. Hein. Snuff Movie, à ton avis, ça existe ou pas? Bon, je pense que oui, hein. Sûr. Ouais. Ah, oui, c'est sûr et certain. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens suffisamment flingués pour aimer voir ça et pour le faire. Ça me rappelle les films des Lairos, là. Hostel 1 et 2, ça parle de ça, en fait, aussi. Hein, Hostel. Hein. C'est pas des Snuff Movie, mais c'est des riches. Ouais. 1% qui se font chier. Qui se paye pour massacrer des gens, quoi. Mais aujourd'hui, des stuff movies, t'en as partout. Hein. Je veux dire, c'est comme à un moment donné quand t'avais Daesh qui partageait en fait ses vidéos de meurtre sur les réseaux, quand t'avais les cartels au Mexique qui se faisaient la guerre, ils partageaient les vidéos de leurs massacres sur les réseaux sociaux. 8 mm est arrivé pile poil au bon moment où ça avait encore de la pertinence de faire un film qui se souciait de parler de ça comme quelque chose de mystique, horrible, en protégeant un peu le regard du spectateur de tout ça. Ouais, en mettant un peu de distance, mais finalement, c'est... Aujourd'hui, c'était assez prémonitoire sur bien des aspects. C'est clair. Quoi. Après, et c'est pas un hasard, je pense qu'à quelques années après, tu as eu le torture porn qui est arrivé, en fait, tu sais. Oui, tous exact, les sauts, oui. Les hostels, etc. Et tout, tu vois. C'était la digue à sauter, en fait. La digue à sauter. Et cette digue-là, en fait, elle a existé, je pense, pour la dernière fois dans 8 mm. Et les gens parlaient des 1%, parce que justement, le mari de cette veuve, c'est un milliardaire, du coup, qui payait pour voir ça, quoi. Tu vois, c'est un peu les 1% décadents. Ouais. Les richissimes milliardaires qui se font chier. Et ils s'emmerdent, ils ont tout. Et donc, le dernier frisson qu'il leur reste, c'est d'aller dans les trucs extrêmes. Quoi. Ouais, je suis sûr que ça existe. J'en suis persuadé. Quoi. Quand t'as tout, tu veux toujours ce que tu peux avoir. Quoi. C'est ça, en fait. Tu repousses toujours. Tu veux toujours ta dose de dopamine, tu vois. Voilà, les amis, on a terminé notre voyage à travers le travail de Joel Schumacher. Hein. Donc, après 8 mm, il fera... Moi, j'aime beaucoup Phone Game. Mm. Phone Game sur un scénario de Larry Cohen. Un film tourné en 10 jours. Hein, ouais. Avec Colin Farrell. J'aime beaucoup Tigerland aussi, avec le même Colin Farrell. Tigerland, il faut le rappeler, qui était un film qui était tourné en numérique.
Ouais, moi j'ai vu en salle. Ouais, tout à fait. Des premiers films tournés en digital, et je trouve que le film vieillit bien, alors que les films tournés en digital vidéo de cette période-là, ils ont tendance à sérieusement devenir de plus en plus dégueulasses avec les années, quoi. C'est vrai, Mais ouais. lui, je trouve qu'esthétiquement, il tient plutôt bien la route, en Tu fait. parles de Tigerland? Oui. Ouais, tout à fait. Et même Phone Game que j'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est une petite péloche du samedi soir, très très C'est plaisante. très efficace. C'est très efficace, ça file droit, ça dure 1h15, 1h12. C'est vraiment, voilà, c'est une bonne petite péloche. Alors, j'ai pas vu son Fantôme de l'Opéra, mais franchement, Gerard Butler, ça me tente vraiment pas. Non, pas dans ce rôle-là. Tu l'as vu, toi, ou pas? Non, mais pas dans ce rôle-là, pas Gérard. Ouais. J'adore Emi Rossum, mais non. Non. Et il a tourné, voilà, très très longtemps, notre ami Joël Schumacher, le nombre 23, qui a plutôt bonne réputation, même si c'est un film qui n'a pas marché. Tu l'as vu, toi? Ouais, c'est pas formidable. C'est vrai. Je l'ai pas trouvé formidable du tout. Bad Company, bon, je Oh. l'ai vu, c'est pas terrible, c'est une prod Non, Jerry c'est chiant. Bruckheimer. Alors, je ne l'ai pas vu, mais je suis curieux de le voir. Véronica Guerin, pardon. Ouais, pareil, j'ai fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc, Pareil, une histoire vraie. Une histoire vraie. Alors, j'en ai vu un là que je recommande, c'est Blood Creek. Blood Creek avec je n'ai Michael pas. Fassbender et Henry Cavill avant qu'il soit célèbre. D'accord. Il C'est n'y a pas un de. film horrifique sur fond de nazi, de néo-nazi, un peu film d'horreur. C'est assez troublant comme film, hein. Ça vaut Il n'y a vraiment pas la peine. Dominique Purcell qui joue dedans aussi. Si, si, ouais, tout à fait. Ouais. Blood Creek, je vous le recommande, hein. C'est vraiment pas mal. Personne n'est parfait, moi j'aime beaucoup. Avec un De Niro tout en faiblesse, en vulnérabilité, et avec le grand Philip Seymour Hoffman, hein, immense acteur. Et tu sens que. Moi, je sais pas. En fait, tu vois qu'après 8 mm, le mec, il s'est retiré d'Hollywood, en fait. Après, il a survécu dans les. Il a continué à tourner, tu vois, des séries, des petits Il a budgets. fait des House of Cards, il a Des fait des House of Cards. épisodes de House of Cards, ouais. Mais je pense qu'avec 8 mm, je pense qu'il l'a fait consciemment en sachant que c'était un peu son arrêt de mort sur le système mainstream, en fait, tu sais. Il se dit qu'après ça, les mecs, Probablement. ils ne revoudraient plus de lui, quoi. Entre ça, plus Batman et Robin, c'est bon, quoi. Quitte à partir, bah, je vais partir en fanfare, quoi, tu vois. Eh bien voilà, les amis, c'est la fin de notre voyage à travers la filmographie, le travail de Joël Schumacher. On espère que voilà, ça vous aura plu. Dites-nous, les amis, en commentaire. Alors j'ai vu dans un commentaire que Joël Schumacher, c'est le pire et le meilleur. Ouais. C'est pas faux. Il y a de tout. Il y a de tout. Moi, j'aime bien les filmographies où il y a de tout, quoi. Moi, c'est aussi pareil. Parce que dans l'eau, il y a toujours d'excellentes choses. Commentez, dites-nous vraiment ce que vous pensez de ce cinéaste. On aura d'autres rois sans couronne à partager avec vous. Et n'oubliez pas, Schumacher, un réalisateur prophétique, Exact. dont les films avaient valeur d'avertissement, un réalisateur qui a cassé les. Qui a foutu le nez de son public, le nez du grand public, dans des sujets, dans des images qu'il ne voulait pas forcément voir, auxquelles il ne voulait pas seulement sortir concerné. Il a parlé hardcore quand même à un très grand public. Et c'est un réalisateur aussi qui. Voilà, qui n'hésitait pas à concevoir le cinéma comme une expérience aussi désagréable qu'elle soit, mais justement désagréable, donc nécessaire. Et un peu comme Richard Donner, hein, pour raccorder à Richard Donner, il avait un véritable savoir-être. Oui. Une personnalité, un savoir-être qui était très anomalique, hein, qui n'était pas dans le moule du réalisateur typique hollywoodien. Hein. Il a été le confident de beaucoup d'acteurs. Il a noué des solides amitiés avec beaucoup d'acteurs et d'actrices. Julia Roberts, quand ça n'allait pas avec ses mecs, elle allait pleurer sur l'épaule de Joel Schumacher. Il était très aimé de ses acteurs. Et voilà, en tout cas, c'était une personne qui méritait qu'on lui rende hommage. Parce que voilà, il nous a donné des super films, Joël Schumacher. Ouais. Mon cher Guillaume, un grand merci, mon ami, Un grand merci à toi, Fouad. Un d'avoir grand merci. partagé ce voyage avec moi. Un grand merci à vous qui sommes aujourd'hui plus d'un million à faire vivre cette chaîne, à la partager et à la célébrer sur les réseaux. On n'a pas assez de temps pour tous vous remercier, mais. On vous remercie fois 1 million, les amis. On vous embrasse. Portez-vous bien. À tout à À l'heure. l'heure.